Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Toulon, janvier 88. Une descente de police, a priori banale, tourne au carnage. Un officier est tué, le meurtrier prend la fuite. Ils ne le savent pas encore, mais les policiers viennent de faire face à l'un des pires criminels ayant sévi sur le sol français. Avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, nous verrons qu'il faudra le travail acharné de plusieurs enquêteurs pour l'identifier, l'arrêter et découvrir que l'homme sème depuis des mois la mort sur son passage. Affaire Roberto Succo, l'homme qui tuait au hasard, c'est un film d'Agnès Grossman. Le 27 janvier 1988, donc il y a plus de 35 ans, il s'est passé quelque chose de grave dans une boîte de nuit des Sablettes, près de Toulon. Il s'est passé un règlement de compte apparent entre voyous. Ben ça commence, on arrive dans la boîte, à l'Orble. Je reste au comptoir, j'étais avec 3-4 potes. Vers 3-4 heures du matin, alors qu'ils sont déjà pas mal alcoolisés, arrive une bande de jeunes, avec trois jeunes filles, et puis un garçon qui s'appelle André, qui paraît pas plus âgé, une vingtaine d'années. Les deux hommes sont assez éméchés, ils s'intéressent de trop près aux jeunes femmes. Et ils commencent à les draguer. Ça ne plaît pas du tout à leur compagnon qui est là, qui est André, qui est très excité, qui vient provoquer immédiatement Jackie et Albert. Le mec, il vient, il ne me place pas l'épaule, il me dit, c'est tes amis là-bas. Je suis avec eux. Il me dit, je vais les tuer. Je dis, pourquoi tu vas les tuer? Ben, la serveuse, il me dit, Myriam, sers-lui un verre. Elle boit un verre, l'estomac, ils sont pleins d'alcool. Il me retarde, il me dit, et je vais te tuer. Il dit, pourquoi tu vas me tuer? Je t'ai rêvé, moi. Allez, bois un verre. Il me dit, non. Et je vois que moi, il commence à me tuer une fois, deux fois, c'est bon. Et je prends la cigarette et j'écrase dans la gueule. André dit aux deux filles, allez, venez, on s'en va tout de suite. Il est poursuivi par Jackie et Albert qui veulent vider la querelle. Ce mec, il faut que je veux le neutraliser. Voilà. La bousculade se poursuit à l'extérieur sur le parking. Albert est sur lui. André lui décoche un coup de poing magistral dans le nez. Je crois qu'il lui casse le nez en trois parties. Et effectivement, Albert s'étend de tout son long. Il est KO pour le compte. Suit avec un couteau Jackie, qui veut faire un mauvais sort à André. Et c'est vrai que j'avais un couteau sur moi. Et j'ai voulu le planter, voilà. Mais André a le temps de se pencher dans sa voiture, de saisir une arme de poing et de tirer à deux reprises sur Jackie qui s'effondre. Je suis tombé, et putain, j'arrive pas à me relever, faut que je me relève. Je vais pas crever comme un clochard sur mon parking. Mais j'ai pris une balle sur le côté et une balle dans le dos. Et un éclat m'a touché la moelle épinière. Et la moelle épinière, ça ne peut pas s'arranger, et le malheureux terminera handicapé. J'ai pas compris de suite, paraplégique, du chinois pour moi. T'entends le kiné, les infirmières. En gros, la rééducation, là, vous allez voir, ça va aller, ta ta ta. Et j'y ai cru. Moi. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais m'entraîner, je vais remarcher, je vais repartir. Je ne me voyais pas finir sur un fauteuil roulant comme en ce moment. André donc s'en va, il prend sa voiture et les filles restent avec les autres personnes qui sont là. Et elles décident de rentrer à Toulon en stop. Et André repasse en voiture et les prend dans sa voiture en stop. Elles n'osent pas dire non parce qu'elles savent qu'il est armé. Il était à ce moment-là 4 à 5 heures du matin et la PJ allait être saisie de cette affaire qui avait quand même au départ des relents de grand mendicisme. Jackie Volpé n'est pas un inconnu, il a déjà fait de nombreuses années de prison. Donc, l'enquête part sur une hypothèse de règlement de compte. Très vite, on comprend qu'on n'est pas forcément dans un règlement de compte parce que les langues commencent à se délier. D'après le témoignage de Jackie et d'Albert, ils vont retrouver les deux filles qui étaient avec André le soir à l'Orbleu. Ces deux filles habitent l'hôtel Prémard. Là, nous sommes dans le centre de Toulon. Le quartier qu'on appelle le quartier de Chicago se trouve de l'autre côté. Le vieux port qui se trouve derrière vous, avec la rade de Toulon.
Et c'est un quartier, disons, populaire. Les hôtels ne sont pas trop chers, ce qui a permis aux jeunes filles de trouver une chambre dans ces hôtels-là. Ceux qui sont dépêchés sur place, ce sont deux policiers du service régional de police judiciaire de l'antenne de Toulon, qui sont Michel Morandin et Claude Ayadzi. Claude Ayadzi est plus âgé, il est plus expérimenté, il a 53 ans. Je pense que Michel Morandin, il doit avoir 35, 36 ans, quelque chose comme ça. Quand ils arrivent au niveau de la chambre numéro 7, ils ouvrent la porte et il y a une des deux jeunes femmes qui est affairée à préparer ses valises en toute hâte. Claude Ayadzi s'approche d'elle donc pour l'interpeller et commencer à recueillir ses déclarations. Et dans le même temps, dans l'encadrement de la porte, il aperçoit un jeune homme très décontracté et souriant. Lorsqu'il lui demande ses papiers, le jeune homme obtempère avec un grand sourire, met sa main dans son blouson comme pour lui sortir ses papiers. C'est là que son instinct de policier va être très très rapide parce qu'il voit que André va sortir une arme, mais il se projette sur lui pour essayer de le maîtriser, de l'enserrer, de l'empêcher de tirer. Mais manque de chance, il heurte les valises de la jeune fille qui s'apprêtait à partir et il tombe, il s'affale dans la chambre, sur le côté. Là, le fameux André sort son arme et tire à deux reprises sur Claude Ayadzi. Et la balle, après avoir traversé le corps d'Ayazi, poursuit sa trajectoire et vient fracturer la jambe de Morandin qui s'écroule. Bien que gravement blessé, Michel Morandin trouve la force de se relever et sur un pied, s'accroche à la balustrade et tente de poursuivre dans l'escalier le tireur. Celui-ci s'aperçoit qu'il est poursuivi. Très calmement, il se retourne et tire. Une seconde fois, cette fois sur Morandin, qu'il atteint au bras, le bras avec lequel il tenait la balustrade de l'hôtel. Et là, Michel Morandin, évidemment, s'écroule. Le malfaiteur aurait pu prendre la fuite, tout simplement. Pas du tout. Il s'arrête, il remonte l'escalier tranquillement. Et il se saisit de l'arme de Michel Morandin, qui le supplie de ne pas le tuer. Mais il lui a crié aussi « ça sert à rien, ne me tue pas, ne me tue pas ». Le malfaiteur s'approchait, a pris l'arme, l'a posée à proximité de l'oreille de Morandin et a fait feu. Après, c'est sûr, quand il revient tuer Morandin, là, il n'y a pas de doute, ce gars, il n'est pas normal, quoi. Ouais. Il n'est pas normal, parce qu'il n'avait aucune raison de revenir tuer Morandin. Il croyait avoir affaire un petit voyou de bas étage, de bas quartier. Et en réalité, ils ont affaire à un fou furieux. À partir de là, toutes les polices de France vont se lancer aux trousses d'André. Aussitôt, toutes les voitures de la criminelle et même de d'autres services sont descendues à ce qu'on appelait la villa à l'antenne de la PJ de Toulon. L'ambiance, quand nous sommes arrivés, c'était une ambiance triste. Des collègues pleuraient, ils venaient de perdre un collègue et un deuxième était blessé à l'hôpital, dont on ne connaissait pas l'état de ses blessures, hein, et on ne savait pas trop s'il allait s'en sortir ou pas. Fort heureusement, il a été traité très bien à l'hôpital de Toulon et il a pu s'en sortir. Vous savez, moi et d'autres, nous connaissions très bien Michel Morandin. Et bien des années plus tard, lorsque j'évoque ces moments-là, je ne vous cacherai pas que l'émotion remonte. Elle est tout le temps présente et elle est tout le temps très forte. Les policiers de Toulon sont dans un tel état, à la fois de chagrin, de colère, etc., qu'il peut y avoir des bavures. On ne confie pas une enquête sur un des collègues tués à des gens qui risquent d'aller un peu trop loin. Donc, on ne leur a pas donné l'enquête. On l'a donnée au SRPJ de Marseille. Mais en réalité, ils avaient quand même l'affaire de l'or bleu qu'on leur a laissée. Donc, il y avait une porosité entre toutes les affaires, bien sûr. Alors, très rapidement, les jeunes filles sont entendues. On arrive
à reconstituer la personnalité du tireur, un certain André, d'un premier temps. On nous parle de sa personnalité comme étant un individu, pour citer les paroles de l'une d'elles, très bizarre dans son comportement, qui pouvait être violent, brutalement, sans motif, se calmer ensuite. Elles ajoutent également qu'il avait un accent indéfinissable. Elles ne peuvent pas vraiment l'établir. On ne savait pas s'il était italien, espagnol, on nous parlait de hollandais, il n'y a plus de nationalité qui ressortait. Hein. Apparemment, il avait un petit accent, mais bon, ce n'était pas si flagrant que ça, je veux dire. Hein. On ne pense pas nécessairement qu'il s'agit d'un étranger, enfin, en tous les cas, quelqu'un venant de l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui habite en France. Donc, les recherches se sont portées sur un homme ayant la connaissance des armes, susceptible d'être un militaire et d'être étranger. Donc, les recherches ont tout de suite concerné la Légion étrangère et l'armée. Partant de là, ils cherchent des déserteurs éventuels. Ils trouvent un Andreas Kolb qui correspond au profil. Mais toute vérification effectuée, ce Kolb n'est pas du tout concerné. Il a des alibis en béton. Ce n'est pas lui. Au fil des premiers témoignages qui sont recueillis déjà de ces deux jeunes filles, leurs déclarations permettent de localiser la planque du André, le fameux tireur. Une équipe de policiers se rend aussitôt sur place. Ils vont interroger la logeuse du fameux André, et la logeuse dira qu'elle ne connaissait pas cet homme-là sous le nom d'André, mais sous le nom de Kurt. À l'intérieur de ce domicile, on trouve un véritable capharnaüm. Il y a énormément d'éléments, il y a surtout des armes de quatrième catégorie. Il y a manifestement des faux papiers. C'était des sacs, c'était des vêtements, c'était beaucoup de sacs de commerçants. Donc, il y avait des bouquins, il y avait des disques, il y avait des cassettes, il y avait des petits jouets en peluche. C'était n'importe quoi. C'était vraiment un capharnaüm, oui, vraiment. Il y avait des photomatons, ce qu'on appelait, vous savez, les ribambelles de photos qui sortaient d'un appareil. Et là aussi, les policiers sont époustouflés parce que ils voient des photos d'André blond, des photos d'André cheveux courts. Des photos d'André cheveux longs, avec casquette, sans casquette. Et ces photographies vont être immédiatement diffusées par l'intermédiaire d'Interpol, donc sur un plan international. Le meurtre du policier Morandin a eu lieu à Toulon. Pourtant, l'enquête n'est pas confiée à ses collègues, mais à ceux de la PJ de Marseille. Cela s'appelle, Alain, dépayser une affaire. Oui, c'est la décision du juge d'instruction ou du procureur de ne pas confier l'enquête au service territorialement compétent. Soit parce que l'ampleur du crime est telle que ça dépasse les moyens du service, soit parce que les ramifications nationales ou internationales sont telles qu'il faut le confier à un service spécialisé, un office central, soit parce que les liens entre le service enquêteur et la victime empêcheraient l'objectivité ou le recul nécessaire. On parle aussi de dépaysement judiciaire. Alors dans ce cas précis, le terme adéquat est délocalisation. C'est le premier président de la Cour d'appel qui le décide à peu près pour les mêmes raisons, soit par la trop grande proximité des magistrats avec l'affaire, soit par aussi le manque de moyens ou l'ampleur de l'affaire concernée. Mais les parties elles-mêmes, dans un cas de doute sur la probité ou l'impartialité d'un magistrat, peuvent aussi le réclamer. Ici, les policiers sont donc face à un tueur très dangereux et en cavale. Il faut absolument retrouver cet André qui pourrait faire de nouvelles victimes. Au lendemain du meurtre de Michel Morandin, à 600 km de là, un pompiste se fait braquer sur les bords du lac Léman. Dès le 29 janvier, donc nous sommes le lendemain du meurtre, suite à la diffusion notamment de la photographie du suspect qui avait été retrouvé en perquisition dans sa planque, nous sommes avertis par la police suisse qu'un individu circulant avec une Alfa Romeo correspondant à celle utilisée par André venait de braquer un pompiste près du lac Léman. Cet individu avait pu prendre la fuite, mais la police suisse avait pu retrouver le véhicule avec à l'intérieur des cagoules et surtout des armes. Nous sommes arrivés très rapidement en Suisse, mais
Dès notre arrivée, on apprenait par nos collègues suisses qu'un nouveau méfait, probablement imputable à André, venait d'être commis, en l'occurrence, la prise d'otage d'une institutrice. C'est une histoire étonnante. Une dame, Madame Varnas, une institutrice, est en train de se faire ses courses, normalement, à Lurie. Et là, sur le parking, elle se fait braquer par un individu qui monte avec elle dans le véhicule et lui intime l'ordre de se rendre à Berne. L'individu, sur le chemin, est très énervé. Cette dame fait preuve d'un très grand sang-froid. Elle arrive à le calmer, à le tranquilliser. Elle était institutrice. Elle savait parler aux enfants et elle a su trouver les mots qu'il fallait pour arriver à calmer, parce qu'il avait des phases d'excitation comme ça. Un dialogue s'instaure, de briques et de brocs, entre cette femme qui est terrorisée mais qui le cache, et cet homme qui se sent bien avec elle, qui va peut-être même baisser sa garde, il baisse son arme. Les choses se compliquent puisque à un moment, un véhicule de police les prend en chasse, une course-poursuite s'engage, cette dame garde tout le temps son sang-froid. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un nouveau barrage qui va se pointer du côté de Berne. Et là, elle a une idée géniale. Elle s'est dit, si je ne sors pas maintenant, je suis foutu. Elle va ralentir, parce que c'est l'approche de la ville. Il faut ralentir à 40 à l'heure. Elle ouvre précipitamment sa porte, elle se jette dehors. Le malfaiteur reste seul dans le véhicule, qu'il abandonne rapidement, poursuivi par les policiers. Il a encore beaucoup de chance, il réussit à se fondre dans la nature et disparaît. André réussit à monter dans un train et descend dans une commune à Lys. Là, il a besoin de se nourrir, il a besoin de se changer. Il ne se démonte pas plus. Il regarde, il observe, il va sonner à une porte. On lui ouvre. C'est une jeune fille que ses parents ont laissée seule pour la première fois, parce qu'elle attend quatre jeunes de son âge, 18-20 ans, pour faire une bonne fête ensemble. Elle répond aussi sec, sans même demander qui c'est, puisqu'elle croit que ce sont ses amis qui arrivent pour la soirée. Hélas pour elle, ce n'est pas le cas, c'est André. Immédiatement, il la maîtrise, dans notre jargon, il la saucissonne. Il tente de la violer, mais il est interrompu par la sonnette. Ce sont les jeunes qui arrivent. Il les accueille, les braque dans la chambre. Déshabillez-vous. Il les fait se déshabiller tous. Et là, il s'en prend à l'autre jeune fille qui est là. Il va l'agresser sexuellement. Alors, il va prendre une douche, il va se nourrir. Et tout ceci étant fait, il repart tranquillement et il reprend sa fuite. Et après, on perd complètement sa trace. Parmi les armes retrouvées dans le coffre de l'Alfa Romeo, il y a le revolver d'un policier, abattu plusieurs mois plus tôt près d'Aix-les-Bains. Les enquêteurs en sont maintenant sûrs. L'homme qu'ils recherchent a déjà tué. Il a même semé la terreur en Savoie au printemps, faisant plusieurs victimes. La découverte de l'arme d'André Cassio va ouvrir un nouveau pan de l'enquête. Et effectivement, André Cassio était un policier qui avait été abattu au petit matin alors qu'il sortait de chez lui dans des conditions assez inexpliquées. André Cassio, c'est un policier qui travaille au commissariat de Chambéry, qui quitte son civil, qui quitte son domicile. Il voit l'individu près de chez lui, qui est dans une voiture. Et comme il a fait son travail de policier, il est allé lui demander ses papiers. En retour, il a pris une balle dans la gorge, il en est mort. Et là, le fameux André, comme pour Michel Morandin, s'est saisi du manurin, du revolver du policier, et l'a embarqué avec lui. On va savoir que c'est l'arme qui a d'abord tué Michel Morandin et blessé très gravement Claude Ayazi à Toulon. Donc c'est une arme qui est vraiment très, très, j'ose pas dire chargée, mais enfin très chargée d'histoire quand même. À partir d'avril 1987, toute la Savoie, les Alpes, toute la région est victime d'agressions délirantes.
donc qui peuvent attribuer de façon certaine au même homme, parce que chaque fois le modus operandi est le même. Le 27 avril 1987, André aura une journée très chargée. Il va commencer par s'intéresser à une jeune femme très belle qu'il a longuement épiée dans son jardin de Sevrier, sur les hauteurs d'Annecy. Et là, prise d'otage. C'est rituel chez lui. Il la prend avec lui, il l'emmène avec lui et il trace sa route. Il a pris la voiture de France Voudine et ce signalement a été donné à la police, ce qui fait que les policiers peuvent débouler à tout moment et l'arrêter. Donc, il n'a de cesse que de voler une autre voiture. Et le soir, il va s'arrêter sur une aire de stationnement de Luz-la-Croix-Haute. C'est du côté de Gap. On est dans les Hautes-Alpes, on n'est plus en Savoie. Le 27 avril 1987, je revenais de Grenoble, où j'avais déposé deux clients en gare de Grenoble. Je reprenais la route pour rentrer sur Gap, mais je sentais une légère fatigue quand même. J'ai dit, je vais dormir un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de me refaire une petite santé. Sur ce parking-là, bien précisément. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée derrière moi. Un homme en descend. Et il s'approche de moi. Il avait les mains dans les poches. Et quand il est à un mètre de moi, à peu près, ou à un mètre, il met la main. Et là, il sort une arme. Il m'a dit, ouvre le coffre. Et là, il s'est approché de moi, il m'a dit, rentre dans le coffre ou je te fais rentrer, moi. Je me suis posé la question, est-ce qu'il va tirer à travers le coffre? Si j'ai un peu de chance, il me met une balle dans la tête. Si j'en ai moins, il m'en met deux dans le ventre. Et avant que ça se termine, il y en a pour un petit moment. Et tout d'un coup, le coffre s'est ouvert. Et là, j'ai eu très, très peur. Il m'a mis l'arbre sur la tête et il m'a dit, descends. Je suis descendu, donne-moi les clés. J'ai fait comme ça. Il m'a dit, mets-les sur le contact. Et à un moment donné, il s'est tourné et il a dit à la personne, qui était une femme apparemment, dans la voiture, il lui a dit, coupe les phares. J'ai vu que l'arme n'était plus sur moi. J'ai rentré le pied, mais à une rapidité, c'est incroyable. J'ai démarré, je me suis couché, j'ai accéléré et je suis parti. Et là, on entend siffler les balles, les impacts sur la voiture. Et quand ça vous siffle aux oreilles, ça fait tout drôle quand même. Hein. André a raté son coup avec le chauffeur de taxi Ribert et puis il se dit, mais il faut absolument que j'ai un nouveau véhicule parce que là, je suis une cible ambulante. Le même soir, il y a un médecin qui habite à Château-Arnoux, mais qui exerce à Sisteron, qui dîne avec sa compagne et qui a oublié quelque chose à l'hôpital de Sisteron, qui retourne. André a dû probablement guetter la prochaine voiture, qui était celle de Michel Astoul, le médecin de Sisteron. Et à ce moment-là, on ne sait pas comment les choses se sont passées, mais il a été enlevé aussi. Et puis on retrouvera par la suite, malheureusement, le corps du docteur Astoul dans une grange. Et l'histoire probablement la plus dramatique de toute cette affaire, c'est la disparition de France Vudel, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. On peut dire qu'il y a une psychose qui se développe en Savoie. Le Dauphiné libéré se répand là-dessus quasiment tous les jours. On sait qu'il y a un homme au treillis, on l'appelle comme ça. Mais tous ses comportements sont erratiques, bizarres, difficiles à comprendre et vraiment incompréhensibles. Ainsi, un soir, il va enlever une femme et son fils à bord de la voiture de la femme et du fils. Il va les conduire jusqu'à une décharge au fond d'une forêt. Il les fait se déshabiller et il les laisse nus dans cette forêt. Il s'en va avec la voiture. Et du coup, évidemment, dès que les gendarmes aperçoivent quelqu'un qui est habillé en treillis, il se fait arrêter. Donc, il finit par y avoir une vraie psychose, en effet, cet été-là, pour essayer de comprendre qui est cet homme, où il est. Les collègues de Savoie et autres
Ils vont présenter les photos que nous avons récupérées à d'autres victimes, ou d'autres témoins du moins. Le taxi attaqué reconnaît immédiatement la photo. Il dit, c'est lui, je reconnais. Et on va faire le lien entre celui qui a tué Morandin et l'individu qui aura commis d'autres méfaits en Savoie et cette partie-là de la France. Ils ont compris qu'il y avait un parcours entre la Haute-Savoie, la Savoie et la Méditerranée. Ils ne savaient pas exactement pourquoi, donc ils ont pensé à un marin fou qui venait travailler en semaine à Toulon et que le week-end, il allait en Savoie et Haute-Savoie et là, il commettait des crimes. Bien sûr qu'il est l'ennemi public numéro un, parce qu'il y a des photos qui circulent. On essaie de comprendre qui est ce garçon. Il n'a jamais deux fois le même visage. Il est bizarre. Il y a quelquefois, on dirait qu'il est, je sais pas, un portrait de Rimbaud. Il est magnifique. D'autres fois, il a l'air d'une espèce d'affreux bonhomme patibulaire qui fait peur. Donc, c'est vraiment, on est complètement désorienté. Les gendarmes de Savoie et les policiers de Marseille unissent leurs forces pour trouver André. Qui est-il? Où est-il? Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Au début du mois de février 88, une jeune fille de 16 ans se présente au commissariat. Le 6 février 88, c'est fini. Pour André, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un témoignage décisif au commissariat d'Aix-les-Bains. Une très jeune fille se présente et demande à parler à des policiers. Et elle explique une histoire assez extraordinaire. Elle raconte qu'elle a connu, au mois d'août 1986, un certain Kurt à Toulon. Parce qu'elle est venue, elle qui est d'Annecy, en vacances avec ses parents dans la région du Var. Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Il a une gueule d'ange. Il racontait à peu près n'importe quoi, qu'il était espion, qu'il était je sais pas quoi. Et ça lui plaisait, ça entrait en résonance avec le monde de l'enfance qu'elle n'avait pas encore vraiment quitté, même si elle avait un physique de jeune femme. Moi, je l'ai rencontrée, c'était vraiment une très jolie femme, mais c'était un bébé en même temps. Et c'est pour ça que ça a bien marché entre eux. Et régulièrement, ce Kurt venait la voir. Et évidemment, elle reconnaît sur les photos Kurt comme étant le fameux André. Kurt venant voir Sabrina tous les week-ends, dans le même temps, il commettait des méfaits, des cambriolages, des agressions et des meurtres. Elle ne sait pas toutes les horreurs qu'il a commises, elle ne sait pas. Elle n'est pas passée loin. À plusieurs reprises, il a eu ses crises de colère, et il disait que c'était un peu quelqu'un d'autre à ce moment-là. Un jour, il l'a attrapé par les pieds, il l'a secoué, il l'a ligoté régulièrement. Enfin bon, c'était quand même pas vraiment une vallée de roses. Hein. Mais comme elle était très jeune, elle pensait à des jeux, quoi. Elle n'avait pas peur. Je crois que c'est très important qu'elle n'ait pas eu peur. Elle en a eu marre au bout d'un certain temps quand même parce qu'il avait des comportements bizarres et elle a voulu arrêter. Et elle explique surtout, c'est ça qui a été décisif pour l'enquête, elle explique qu'il était italien, ce que l'on ignorait absolument, et comment, puisqu'il parlait certes très bien le français, nous dit-elle, mais un jour, en voiture, il s'était énervé contre un automobiliste et s'était mis à l'invectiver en italien. Elle l'avait interrogé, « Ah, mais tu es italien ?» et il avait expliqué qu'effectivement, il était d'origine italienne, et il lui avait même confié qu'il avait assassiné ses parents pour un motif assez futile. C'était un élément essentiel. Cette double confidence va être décisive parce que l'Italie, immédiatement, est sur les rangs. Un individu qui parle italien, qui se confie sur un double meurtre de ses propres parents, il n'y en a pas 100 000. Le lendemain soir, Roberto Zucco était identifié. Quand nous sommes en Italie, donc on apprend que Roberto Zucco est fils unique. Son père, c'est un policier. Sa maman tricotait, elle faisait des tricots pour le voisinage, elle vendait ce qu'elle pouvait vendre. Il avait vraiment des relations très, très tendres avec sa mère tant qu'il n'était pas complètement adolescent. Après, c'était plutôt des relations
chahutée, enfin, elle passait son temps à lui interdire des choses. Ils se disputaient énormément tous les deux, ils se battaient, ça allait pas très bien. Ça marchait pas trop mal en classe, franchement. Il se signalait surtout par son indiscipline, parce qu'il arrivait quelquefois... Il était capable de violenter un professeur ou un élève. Hein. Ça pouvait très mal tourner avec Zuko. Mais on attribuait cette violence à son tempérament. Voilà, on disait que c'était un garçon qui est affublé d'un sacré tempérament, quand même. Hein. Et puis, à l'adolescence, visiblement, la maladie mentale explose. On le voit de plus en plus en train de disséquer des animaux, de faire des trucs un peu effrayants, quand même, d'avoir des crises de colère terribles dans son lycée. Mais c'est très étrange, mais personne n'a l'air vraiment de s'inquiéter de tous ces comportements qui sont quand même, quand on les examine de près, qui sont complètement sidérants. Son rêve, c'était la voiture de son père, une Alfa Romeo. L'Alfa Romeo bleu de son père, magnifique. Il a appris à conduire. Il veut aller à l'école avec cette voiture. Le père, qui est assez coulant, accepte, alors que sa maman lui refusait l'usage de l'Alfa. C'est ça qui a tout fait basculer. C'est l'Alfa Romeo. Ça devient une obsession absolument folle. Il n'y a plus que ça, ça prend toute la place. Il va au lycée avec cette voiture, même quand ses parents le lui interdisent. Et puis un soir, un mois d'avril encore, en 81, il rentre chez ses parents, sa mère est toute seule, et commence à se parler. Sa mère, pour la énième fois, fait tes devoirs. Elle le houspille. Il pète les plombs et il va tuer sa mère à coups de couteau. Au début, il lui a dit « ça suffit, je me tue parce que j'en ai assez, tu me manges mon oxygène, quoi, en quelque sorte ». Et puis il dit « la main », il dit pas « ma main », il dit « la main », comme si c'était pas à lui, s'est détaché et a frappé ma mère. Il la tue, il allonge son cadavre ensanglanté dans la baignoire et il réfléchit. Je ne veux pas que papa soit malheureux. C'est ce qu'il confiera au psychiatre. Je ne veux pas que papa soit malheureux. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas lui cacher le corps. Je ne peux pas le trimballer. Je vais le tuer. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Son père, donc, qui arrive du commissariat, va rentrer. Et à ce moment-là, le fils, Roberto Zuko, va tuer son père et va le remettre dans la baignoire. Et il ramasse ses affaires et il s'en va. Roberto Zuko va se faire interpeller quelques temps plus tard au Frioul, à la frontière yougoslave, et il va être interné, considéré schizophrène. Un homme qui est partagé en deux, c'est simple. Avec une dissociation de la personnalité et de l'esprit qui le rend invivable à ses propres yeux aussi. Il est condamné à 10 ans de réclusion dans un hôpital psychiatrique. Et finalement, au bout de 5 ans, pour bonne conduite, on va lui permettre de s'inscrire dans une université. Il va y aller et puis un soir, il ne rentre pas. Et c'est le soir où il prend la route de la France. Et les Italiens ne vont pas en parler. Ça va être un des nœuds du problème, c'est que la justice italienne ne va pas suffisamment signaler cette disparition. Une fois qu'il est identifié, évidemment, la priorité, c'est de sensibiliser nos collègues italiens afin qu'ils mettent des surveillances en place sur les différents points de chute possibles de Roberto Zuko. C'est ce qu'ils font. Dans notre jargon, on appelle ça mettre des sonnettes. C'est une de ces sonnettes qui allait fonctionner. Dans sa cavale, il va rencontrer une jeune Italienne, Francesca. Il va être reçu au domicile des parents. Hein. Les parents vont accepter sans problème ce jeune qui a l'air d'être correct. Mais les parents vont voir la diffusion de la photo de Roberto Zuko. Ils vont faire le lien avec le jeune et ils vont aviser les services policiers italiens. Les policiers savaient qu'ils reviendraient voir Francesca, sa nouvelle petite amie, âgée de 16 ans, sur laquelle il avait jeté son dévolu. C'était... Et puis, il sentait bien que ses sentiments étaient partagés. C'est l'amour qui a trahi Zuko. Un équipage
de deux policiers italiens étaient en surveillance. Ils aperçoivent un individu qui s'approche du domicile. Ils ne sont pas en mesure vraiment de l'identifier, mais il s'approche quand même. Et lui, sous le coup, il est tellement provocateur, tellement pazzo, complètement pazzo, complètement fou. Il va passer devant eux à 2 mètres de distance. Ciao, ragazzi. Come stai? Ouais. Salut, les amis. Comment ça va? Évidemment, les autres se disent, c'est pas possible que ce soit lui. Mais après, à la façon qu'il a d'accélérer l'allure, il dit, putain, c'est dessous. Il se lance à sa poursuite, mais en courant. Et là, c'est une course contre la mort. Ils le savent. Parce que s'il atteint la Rover avant eux, ils sont abattus. Il se jette sur lui, alors qu'il est à quelques mètres de la Rover. Ce sont des molosses qui lui sont tombés dessus. Mais il se débat quand même, les genoux dans les épaules. Les deux à juchés sur lui, ils arrivent quand même à lui tordre le bras, clé de bras, en menottes. Et là, boum, abattement immédiat. La bête s'est arrêtée de vivre. Les gars, c'est pas sympa. Laissez-moi y aller, j'ai tué personne en Italie. Il expliquera que malheureusement, pour lui, à ce moment-là, il avait laissé son arme dans la voiture, car autrement, il aurait abattu immédiatement les deux policiers italiens qui s'étaient approchés de lui. Il est conduit immédiatement au poste de police. Et là, le chef inspecteur, Filippo Silvestri, comprend qu'il n'aura pas la possibilité de parler à cet homme qui est en proie à une exaltation terrible. Il va réussir à s'attirer la sympathie de Roberto Zucco. Il ne prend pas sa machine à écrire de peur de l'intimider. Rien qui puisse laisser supposer un interrogatoire. On est copains. Que comment c'était en France? Depuis que tu as passé la frontière à Vintimille, on avait perdu complètement ta trace. On te cherchait, nous, tu sais. Et au début, alors, il se met à raconter n'importe quoi, comme il fait souvent. Et puis Silvestri lui dit, non, écoute, il faut quand même avoir un peu d'honneur. Parle-moi comme un être humain et pas comme un fou ridicule. Et Zucco dit, ben oui, je sais bien qu'on me cherchait. Mais là-bas, j'ai tué 6 personnes. Il dit, je suis un killer. Un killer. Il a toujours ça à la tête. Je suis un killer, un tueur. Et là, ça va être toute la nuit des révélations sur tout le parcours criminel. Il se rappelle de tout. C'est lui qui a tout fait, en Savoie. Les viols, les rapts, les kidnappings, les vols de voitures, les assassinats. Tout est à mettre au compte de Roberto Zucco. Il n'y a qu'un élément qui fait défaut. Parce qu'il ne l'a pas donné. Il a dit, j'ai jeté le corps de France Vudine à la mer, mais il ne dit pas où. Quand j'arrive, moi, à Mestre, je me pointe dans le bureau de Francesco Zone, qui est le patron de la squadre mobile. Et on avait commencé à parler de l'arrestation, etc. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bouton qui clignote derrière vous? Il regarde. Mon Dieu, c'est alerte générale. Il prend son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Zucco s'est réfugié sur le toit de la prison. Il est en train de s'échapper. Oh là là. On est arrivé. Il y avait déjà pas mal de carabiniers. Il y avait les surveillants pénitentiaires qui pointaient leurs armes sur lui, quand même. Il a commencé à se déshabiller. Il a fait un striptease. On était tous babas. Il est resté pendant vraiment un temps fou sur le toit, se déshabiller, à faire l'intéressant, à dire bonjour à un hélicoptère de police qui passait et à hurler, à insulter Sabrina parce qu'il avait dû lire les journaux, il savait qu'elle avait permis son identification et à lui sortir des horreurs. Enfin, vraiment, c'était un show sur un toit. Et toi, il me désigne, toi, le journaliste français. Il n'y a pas écrit journaliste français, là. Comment l'a-t-il su, préscience? Intuition, fulgurance. C'est incroyable. Toi, le journaliste français, tu diras à Sabrina que c'est une salope, que c'est une pute. Il n'a cessé d'injurier cette pauvre fille. Et il a même cité la phrase « Souvent, femme varie, bien folle qui s'y fie ». Il est sur un fil, il essaye de rejoindre un autre bâtiment avec ce fil.
Il essaye de mettre son pied sur le câble électrique, il rate un peu son coup. On a un peu l'impression qu'il se laisse tomber. Le résultat des courses. 4 fractures de côte et une luxation de l'épaule. Le juge Bernard voulait que Soukou soit extradé. Tous les juges qui avaient des affaires relatives au crime ou au délit commis par ce garçon avaient envie d'une extradition, mais ça relevait du rêve, évidemment. C'est là que Bernard a vu que les Italiens étaient drôlement roués, parce qu'ils l'ont un peu baladé. Oui, vous viendrez, mais le mois prochain, attendez, on n'a pas. Il faut d'abord répondre à des questions diplomatiques, que ça passe par le ministère des Affaires étrangères. Oui, on n'a pas encore l'autorisation du ministre. Afin de pouvoir juger Roberto Soukou, la France demande son extradition. Alors. Quand un individu suspecté d'avoir commis un crime en France fuit à l'étranger, la France peut demander à utiliser une procédure, un dispositif particulier qui s'appelle l'extradition. Cette extradition ne peut être possible que s'il y a un accord entre la France et l'autre pays ou qu'une convention internationale permet d'élargir les conditions d'extradition des individus. Des pays étrangers peuvent demander la même chose si un suspect est venu se réfugier en France ou qu'on imagine qu'il se trouve sur le territoire national. La France n'extrade pas ses propres ressortissants, ou en tout cas ne le faisait pas avant la mise en place d'un mandat d'arrêt européen qui a changé la donne. Mais pour l'essentiel, il faut que le délit soit relativement identique dans les deux pays, que les risques soient relativement les mêmes, qu'il n'y ait pas de peine de mort dans le pays qui réclame le ressortissant qui serait présent sur le territoire français. L'extradition est donc un dispositif long, lourd, complexe, difficile, extrêmement précis. Dans le cas qui nous concerne, le magistrat italien se révèle extrêmement pointilleux, certes, mais respecte parfaitement les règles. Depuis 2004, fort heureusement, un dispositif, le mandat d'arrêt européen, a largement allégé ses procédures à l'intérieur de l'Union européenne. Roberto Soukou est donc sur le point d'échapper à la justice française, mais le juge d'instruction insiste. Il obtient de pouvoir le rencontrer, notamment pour l'interroger sur France Voudine, cette femme disparue en Savoie, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Le juge Bernard s'est pointé avec l'autorisation de lui poser 30 questions relatives à ses 20 crimes commis en France et à ses 3 crimes commis en Suisse. 23. Il va avec 2 policiers à Livourne. Dès que le juge a mis les pieds dans la cellule, toi le juge, il s'adresse directement au juge Bernard. Je te dirai rien du tout. Tu m'as bien entendu. Je te dirai rien. Tes questions, tu peux te les ramener en France. Et il n'a jamais pu poser ces questions. Dans les jours qui suivent, il va faire l'objet d'une expertise psychiatrique, Roberto Soukou. Expertise psychiatrique numéro 1, numéro 2, numéro 3, elle concorde, schizophrénie, dissociative, amen. Il s'en fout quand il veut, là. Je crois pas trop à ces fous. Ces fous bizarres. Ils sont normaux pour draguer, pour avoir des liens de familiaux, pour avoir travaillé, bien souvent. Et après, parce qu'il a fait, c'est fou. Ouais, l'acte qu'il a fait, il est fou. Mais le mec, il est pas fou, le mec. Fait divers, le tueur fou italien Roberto Soukou s'est suicidé la nuit dernière dans sa cellule au pénitencier de Vicence. Mais quelle erreur de la justice italienne. On a donné des camping-gaz à ces détenus pour qu'ils puissent se faire le café le matin, ou le chocolat du matin, ou le thé du matin, peu importe. Mais Soukou, il sait très bien ce qu'on peut faire avec le gaz. Il a un sac, comme par hasard aussi, il va se brancher le tuyau de gaz dans la bouche, sous le nez en tout cas, il va serrer le sac de telle sorte qu'il n'y ait plus d'appel d'air possible et il va attendre la fin. Il va s'asphyxier en quelques minutes. Il va mourir. Je pense que sa mort était inévitable parce que je ne vois pas quelle autre issue il avait. Il était déjà mort du jour où il a tué ses parents et pour lui, rien n'avait d'importance.
Mais ces histoires qui sont hors normes sont forcément fascinantes. C'est un mot très vilain parce qu'on se sent un peu coupable. On se dit, mais je ne vais pas me laisser fasciner par ces horreurs. Mais il y a quelque chose quand même de tellement effarant. Quelqu'un qui tue ses parents, qui monte sur les toits, tout le monde parle de lui. Il a une petite amie qui est une mineure. Enfin, tout est un peu étrange. C'est pas du tout fascinant, c'est épouvantable. Roberto Succo a échappé définitivement à la justice. Les familles des victimes françaises n'auront pas de réponse à leurs questions. Le plus grand mystère est celui de France Voudine. On ne saura jamais ce qu'est devenue la jeune femme disparue.